on a le temps. Laura, vous voulez nous parler d'une vidéo qui fait le buzz? Oui, je voulais vous parler d'Émilie Zamourka, qui est une immigrée russe de 52 ans, qui est devenue très célèbre sur les réseaux sociaux. On va regarder. Parce que c'est une cantatrice qui est devenue SDF. Et un policier de Los Angeles l'a filmée en train de chanter. C'est relayé par le Huffington Post. Et depuis, forcément, tout le monde est en émoi en disant comment ce talent peut dormir dans les rues. Donc, elle a été contactée, sollicitée pour qu'on lui trouve un hébergement et qu'elle puisse rechanter à nouveau pour le plus de gens possible. Elle a un sourire touchant, je trouve, là, face aux propos, j'imagine, du policier. Et ça, vous voyez, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Il y a aussi des bons côtés. Ça ne vous ennuie pas de vous tenir au courant et de savoir si on lui a trouvé quelque chose? On peut l'inviter ici. Oui, ça fera peut-être la même chose pour... En métro, je ne sais pas si elle y arrive. Voilà. Pour Ophélie Winter. Mais on va s'en occuper. Merci Laura, merci. Très bonne idée de nous montrer effectivement cette vidéo et d'attirer notre attention sur ces gens pleins de talent, ou pas d'ailleurs, mais qui sont sans abri.